Le préfet réunit les autorités musulmanes suite aux fermetures de certaines mosquées dans l'agglomération. Les tunnels du périphérique nord, bientôt en travaux pour être mis aux nouvelles normes de sécurité. Enfin arrivés aujourd'hui, des bungalows destinés à l'accueil des Roms qui fait polémique à Saint-Genis-les-Ollières. Enrayer la radicalisation dans certains lieux de culte musulmans, c'était l'objectif de la rencontre inédite ce matin entre le préfet de région et les représentants de la communauté musulmane. Une réunion qui fait suite à la fermeture le mois dernier d'une salle de prière à l'Arbrelle où avaient été constatées des dérives. Une dizaine d'actions à mener ont ainsi été définies. Et on va redonner corps au protocole quadripartite, État, commune, CRCM et puis salle ou mosquée locale. Le président Bendidi a évoqué l'ouverture plus grande du culte musulman et des mosquées aux femmes, le dialogue interreligieux, le souci d'une gestion financière de meilleure qualité dans les mosquées locales. Voilà les 10 axes de travail qui sont devant nous et qui sont portés consensuellement. Des mesures à l'initiative du Conseil régional du culte musulman dont l'application se fera de concert avec les municipalités. L'islam fait partie du paysage culturel de notre pays et il est important qu'aujourd'hui que ces associations et ces maires travaillent ensemble dans l'intérêt de la communauté nationale. J'ai besoin d'eux, ils ont besoin de nous aussi pour éradiquer l'islam radical, bien sûr. Un appel entendu notamment par Michel Picard, maire de Vénissieux, ville dans laquelle une salle de prière avait également été fermée le mois dernier. Nous allons travailler avec les associations, donc on va se revoir très rapidement pour mettre en place effectivement un certain nombre de propositions. Donc on va se répartir un peu les choses. Selon le préfet, une douzaine de salles de prière font encore aujourd'hui l'objet d'une surveillance particulière dans l'agglomération lyonnaise. Marine Le Pen, relaxée aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Lyon. La présidente du Front National était poursuivie par la LICRA et d'autres associations après ses propos comparant les prières de rue des musulmans à l'occupation nazie. Propos tenus à Lyon en 2010 lors d'une réunion publique. Lors de l'audience en octobre dernier, le parquet avait déjà requis la relaxe. Un nouveau grand chantier en perspective. Après Fourvière et la Croix-Rousse, c'est au tour des quatre tunnels du boulevard périphérique nord d'être mis aux nouvelles normes de sécurité imposées après la catastrophe du Mont-Blanc. Et quatre familles de travaux vont être exécutées. La plus importante, c'est la protection feu des tunnels, la réalisation d'issues de secours intertubes pour faire des issues de secours tous les 200 mètres, la mise à niveau de l'ensemble des équipements et l'amélioration de la performance de la ventilation. Ces travaux commenceront fin janvier 2016. Ils s'achèveront en avril 2018. Ils seront principalement réalisés de nuit. Nous aurons par an 180 fermetures de nuit. Ce qu'on appelle la nuit, c'est 21h, 6h du matin. Nous allons fermer également un certain nombre de samedis soirs, de dimanches soirs et de week-ends, en principe 12. Et puis également deux fermetures estivales, 14 juillet, 15 août, pendant l'été 2016 et pendant l'été 2017. Par ailleurs, 20% du chantier sera attribué à des PME. C'est une opération que nous faisons en partenariat public-privé sous forme d'un paiement de travaux à la fin, 70 millions d'euros, puis d'un loyer qui sera lissé sur les 20 années à venir. Donc le total de l'opération, c'est 131 millions d'euros pour la collectivité, c'est-à-dire la métropole de Lyon. Arrivée sous haute surveillance des bungalows du futur village d'insertion des Roms à Saint-Genis-les-Ollières. Vers 15h cet après-midi, c'est le troisième convoi de la journée qui vient livrer les quatre derniers containers sur 16 et qui accueillera très bientôt 80 familles de Roms. Une installation qui inquiète les habitants de la commune. On est contre la venue des 80 Roms et peut-être plus, alors que nous-mêmes, on aurait accepté 2-3 familles par commune. Et là, on est vraiment contre cette arrivée en masse. À Saint-Genis-les-Ollières, il faut savoir qu'il y a déjà 85 réfugiés politiques et nous avons 15 délinquants aussi à peu près sur le même site. Il y aura des bagarres, ça va être une poudrière. Hein. Ces bungalows sont installés sur un terrain de l'État sur décision du préfet. And
C'est le leader des Black Eyed Peas, Will.i.am, qui donnera le concert d'inauguration du Grand Stade à Décines le 9 janvier prochain, lors du premier match de l'OL face à Troyes. La durée de son concert n'a pas été précisée. Après l'annonce de la venue de Rihanna en juillet, c'est donc le deuxième artiste annoncé au Grand Stade.